Encore une fois, mon GPS me dit oui, il n'y a pas de trouble, passe ici. Tu as environ 7 km à faire, puis après ça, tu vas retomber sur une autre route. On est dans des champs de canne à sucre, puis là, on vient de. Il faut qu'on traverse un pont tremblant. J'ai peur. J'ai peur también. Le GPS me disait de prendre le pont. J'ai hésité. Puis en demandant aux gens qui attendent pour le traversier, bien, ils ont dit c'est pas une bonne idée. Effectivement. Ils font ça à bras. Ils tirent à bras sur une poulie. C'est. Où sommes-nous? Nous sommes dans un pueblo magico qui s'appelle Orizaba. Puis, ça fait quoi, 10 minutes qu'on est arrivé et on est déjà en amour avec cette ville-là. Beau. Oh, c'est beau. C'est propre. Venez ici, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Du catamaran. Du silou. On s'en va faire un tour de. Ah oui! Téléphérique! Téléphérique! On est dans la grande roue. Non, le téléphérique. Téléphérique. Plus la grande roue, ça fait plus la grande roue jamais. Téléphérico. Canada, 4214 km. On serait à 8 km de New York. New York, c'est 4292?
Ouais. Puis le Canada, c'est 4214? On serait à 80 km environ de New York. Donc, on habite plus proche que je pensais. Oui, donc c'est les détours. Hein. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu es en train d'essayer un grillon? Tu te cherchais encore une façon d'être malade? Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la nourriture de poisson. Ils ont compris! Ils ont compris ici! Ils ont toutes mis les coques à la même place! Ah!